Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 26 de Zelda. Épisode où on va se diriger vers le village des Piaf. Donc, du côté de la tour rose, mauve, violette, fuchsia et tout ce qui s'ensuit. En gros, on va passer par là-bas, quoi. Allez, c'est parti, on commence directement. Alors, on va passer de plante en plante. Hop, ça devrait fonctionner sans problème. Touk, voilà. Alors, attendez, je replace un peu le micro. Voilà. Alors, faut que j'aille par là. Celui-là, ça passe. Ouh, ça va être chaud. Ah, ça va. Il s'accroche dessus. Nickel. Alors, je vais continuer par là-bas. Est-ce que tu t'accroches quand même aussi bas? Oui, bah dis donc. Par contre, t'as un peu de mal à monter. Hein. Mais ça va, tout se passe bien. On passe de gros nénuphar en gros nénuphar. Ouais, je vais aller par là, puis je vais contourner ce truc-là. En plus, là-bas, c'est un... Ça m'a l'air d'être un sanctuaire, donc c'est parti, on va aller par là. Alors j'ai l'impression par moment de descendre plus vite qu'à d'autres. On continue la route, ouais, ça c'est bon. Attendez, parce que j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer là. C'est tout le temps quand tu commences une vidéo que le téléphone sonne non-stop. Ok, on continue par là. Alors le sanctuaire, il était ici quelque part normalement. Pas très très loin. Ah non, il est quand même vachement plus loin, autant pour moi. Mauvaise orientation là. Enfin, mauvaise vision de la distance. Oui, il y a du sanctuaire. Allez. Oh, ça éclate quand tu tapes dedans. Ça alors. Enfin, c'est de la gelée, tu vas me dire, hein, mais... Voilà. Ces monstres-là ne sont vraiment pas problématiques. Hein. Ça, franchement, ceux-là... Tranquille, hein. Alors le patch est sorti, le patch 1.1.1, qui normalement rend la fluidité, je vais pas dire optimale, mais constante. Donc on reste à 30 fps quasi constant. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que parfois, enfin, beaucoup de personnes disaient qu'ils ne le ressentaient pas vraiment. Mais moi, il y a des fois où c'était exagéré, quoi. Genre là... Avec quand l'ombre et les herbes bougeaient, bah c'était impressionnant quoi. Le sanctuaire c'est secondaire pour moi, on est bien d'accord. Mais c'était. De toute façon, il faut que je continue par là. Continue à se diriger par là-bas. J'arriverai jamais à grimper ces trucs. Attends, par là-bas, oui, il y a moyen. Salut! Oh, le petit salon. Bien joué. Il t'est donc enfoui. Bon, ça va être chiant par contre, c'est si tu... Non, ouais, faut que je le tue parce que sinon il va me saouler quand j'escalade. Attends, bouge pas. J'ai autre chose pour toi, ne t'inquiète pas. Ça va être un peu trop lent. Ça, c'est bon. Et la fameuse banane. Banane qui cuisinée augmente l'attaque, ce qui est pas trop mal au final. Hop, hop, là je peux me lâcher, nickel. Alors, par ici ça monte tranquille aussi. Voilà.
c'était par là. On va escalader tout ça. La bombe. C'est un rocher, ça, là. Ouais. Voilà. Oh, ça va pas donner beaucoup. Il y en a un autre, là. Oui, j'ai totalement raté, là, cette bombe-là. J'ai appuyé sur le stick au mauvais moment. Alors, je vais la poser. Hop, tac. Voilà. Oh! J'ai réveillé un truc, là. C'est quoi le bordel? Oh, et je l'avais pas vu. J'étais comme ça, tranquillement. J'escaladais mon petit bout de montagne et... Oh là! Il tire une flèche, ce con. Ouais, il tire des flèches. Alors là, ça va être un peu problématique. Ouh. C'est bon, c'est passé. Bon alors, qu'on se repère. Ah, ça c'est cool, je vais pouvoir appeler le cheval. Le sanctuaire est juste là en bas, nickel. Forcément, ça donne un point de téléportation pour le relais. Hop. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe-t-il à l'intérieur? On rentre, on prend l'ascenseur émotionnel comme d'habitude, hein. Pour l'instant, il n'y a plus qu'un épisode de Zelda. Bah, je vais en profiter pour en parler un petit peu. Pour le moment, il n'y a plus qu'un épisode de Zelda à midi parce que j'essaie de voir un petit peu si j'arrive à gérer donc, un épisode, plus le taf sur le côté, plus le stream le soir. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, je garde juste Zelda. Comme j'avais dit, c'était le let's play primordial. Alors attends. Attends, ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? De là. Ça passe. Ça ne passe pas. Alors attends. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là au-dessus, il y a un truc déjà. Ok. Là, je dois ouvrir pour aller. Très bien. Et là, il y a un coffre. Ok. Alors moi, je suis entièrement d'accord. Il y a un truc que j'ai pas vu, peut-être? Non, du tout. Ça passe, là. Ah, ça passe pas. Ouais, je tryhard en attendant de trouver le truc. Alors, je réfléchis un petit peu. Attends, ça, donc ça, ok. Ici, j'ai rien que. Non, j'ai rien. Ça ne monte pas non plus. Il n'y a pas d'eau, donc à mon avis, voilà. Mais on teste quand même, on ne sait jamais. Ok. Alors, attends. Si je fais péter ça, là. Ça m'étonnerait aussi, mais. Non, du tout. Très bien. Du coup, Oh, c'est tout près, hein. Tu pourrais quand même faire l'effort de tendre la main. Et par ici. Donc, c'est jamais un truc planqué dans les murs, ça nous est déjà arrivé. C'est pas ça, ok. Ça forcément c'est trop. Bon, on va faire ça. Ouais, ça ne sert à rien en fait. Non mais très bien, dites-le, si ça ne sert à rien, je vais gaspiller deux flèches. Non, ça va. Ça va, ça va.
Bah en fait il est quand même moins bon du coup. C'est un peu pourri. Par contre, est-ce que je peux pas m'en servir? Attends. Déjà, est-ce que ça n'active pas quelque chose en étant là au-dessus? Rien, non. C'est jamais un bout de métal. On n'est jamais contre. Est-ce que... C'est quoi, c'est un trou là-bas au-dessus? Ouais, c'est un trou. Ok, très bien. Non. J'étais optimiste, hein, non, mais je l'avoue, c'était... Ah, par contre... Ça allait un peu moins si je le mets là-dessus, effectivement, et que je saute de là. Hop. C'est déjà un peu plus... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si ça tombe, je suis en train de faire un truc qui n'a strictement rien à voir avec le but du temple. Remonte dessus, hein, commence pas. Hein. Ok, je suis bloqué. Allez, ne fais pas l'enfant. Voilà. Tu glisses, très bien. Donc, il y a ça là-bas au-dessus aussi, alors. Ok, d'accord, d'accord. Bon, je vais tenter mon fameux saut de l'ange. Alors, par contre, tu vas arrêter de me saouler, Link. Tu montes là-dessus et tu te rates total. En fait, je peux pas courir, donc ça ne fonctionnera pas. Ah. Non, je ne peux pas. Très bien, donc tu te fous réellement de moi, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Je m'en fous, je retryhard. Ça ne veut pas passer. Bon, d'ici, est-ce que je peux... Bah, ça sert à rien, en fait, ça. Ah, attends, quoi que... Ça n'a servi à que dalle. Et on est bien d'accord que celui-là ne fonctionne pas non plus dessus. Hein. Non, non, du tout. Très bien. Bon, les gars, c'est le moment où je cherche et je vous reprends juste après. A tout de suite. Bon, les gars, j'ai réussi à passer en mettant le coffre bizarrement et tout le bordel. Je suis passé. Et là, je suis tombé comme une merde. Vous voyez, ça, c'est chouette, hein. Donc, ça, c'est super. Non, mais je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer, je vais prendre l'excuse du j'ai fait ça pour vous montrer. Alors attends, parce que c'était vraiment emmerdant au possible. Il faut que je monte vraiment bien sur le bord, voilà. Et là, c'est trop court. Il faut vraiment décoller au bord du coffre. Bon, alors, je sais pas du tout si ça se passe comme ça. Moi, je m'en fous, hein, tant que ça passe, c'est le principal, quoi. Moi, je tryhard mon truc, tu vois. Je me trouve une solution à moi et je le tryhard. Alors là, c'est trop. Par contre, t'as poussé le coffre. Link, t'exagères un peu. Là, ça passera pas. Non, c'était trop court. Là, faut vraiment sauter, mais pas trop au bord, sinon tu descends d'un chouïa et ça ne fonctionne plus. Là, ça passera pas. Non, ouais, non, j'ai encore descendu, je l'ai senti. Bon, les gars, voilà, donc c'était ce principe-là, je refais mon truc et je suis à vous. Alors, les gars, j'ai utilisé un stratagème, mais totalement con. En fait, donc, je vous ai... Ah merde, je peux plus le prendre. Attends, il est où? Ah, il est retombé. J'ai utilisé le coffre pour le mettre sous la boule. Du coup, elle a rebondi dessus, elle est tombée à côté. Voilà, c'est tout. Moi, je voulais aller de l'autre côté, hein. Je voulais que ça se donne bien, mais ça veut pas. Moi, je peux rien y faire, les gars. Pas brut, ok. Alors par contre mon coffre il a été Ah bah il est là, voilà. Wouh. Et donc voilà, à mon avis, je pense que c'était pas ça qu'il fallait faire. Je pense, hein. Ok, il y a un truc par là-bas. Ça me semble un petit peu bizarre. Je l'ai pris trop tard encore. Ouais, je l'ai pris trop tard. Ah bah je vais lui mettre une flèche, je crois qu'il m'en reste justement une. On va faire ça. Alors j'ai pas le droit à l'erreur. Il m'en reste deux. Bing, voilà. Bon, donc voilà, c'était un temple, enfin un sanctuaire à l'arrache, hein, là. Mais genre vraiment quoi. Aller mettre un coffre en dessous du truc et tout, enfin c'était bien chouette, mais... Mais voilà. Bon, dans un sens tant mieux, hein. Moi, ce qui est fait, je vais pas me plaindre.
Sauf fait un sanctuaire de passé. C'est cool. Ouais, ok. Tranquille. Ça, c'est bien beau. Bon, on va passer cette scène-là. J'avais dit que je la passerais en plus. J'aurais dû la passer déjà plus tôt. Hop. Donc, j'ai mes 4 trucs. Ok. Bon, du coup, je peux commander Epona. Commander entre guillemets, bien sûr. Eh ben, ça avance, les gars. Hein. Ça avance, ça avance. À mon avis, donc, ce que je vais faire, je sais plus si je l'avais dit dans la précédente vidéo. Je pense que je vais faire donc, les bestioles qui restent. Puis, après, c'est là que je verrai si je fais directement le boss final. Ou si je fais les souvenirs avant. Je sais pas si je vais les souvenir avant ou après. Alors, bienvenue. Tu puis sûr pour toi. Emmener un cheval. Très bien. Bah on va prendre les polars. Hein. Bah oui, je vais pas là. Ce sera plus facile. Alors par contre, faut pas que je la fasse mourir, ça me ferait. Ça me saoulerait bien. C'est des tests, on a vite fait de heurter le premier. Oui, oui, c'est bien. D'accord. Ok. Bon. Hop, allez, viens là, toi. Alors la tour, elle est par là, donc faut que j'emprunte le pont. Oh là ! Le pont qui est plein de trous. Alors déconne pas. J'espère qu'elle ne va pas me faire l'andouille. Alors assez rigide. Hein. Oh là, c'est quoi ça? Le bazar là. Super! Des trucs volants. Bon, je continue à pied parce que j'ai pas envie qu'elle meure. Je vais aller par là. Là, là. Ah, très bien. Ouais, par contre, ce que j'aurais dû faire. J'ai tout pris? Non. Je vais faire ça. Je vais changer de truc. Hop. Tac, tac. Voilà. Ça me met plus d'attaque, c'est bien mieux comme ça. Parfait. Là, il y a moyen que je monte aussi. Oula, je voyais ça moins pentu pour le coup. Ah, je vais peut-être galérer un peu. Là, je vais retomber là. Je le sens bien. Ouais. Oh. Arrête-toi. Non, ouais. Ok, donc c'était quand même un peu trop pentu. Par là. Parce que j'ai pas envie de m'approcher trop des trucs qui volent pour ne pas qu'ils me détectent. Ok, on va monter tranquillement alors. Il est parti, il a couru d'un coup d'un seul tout seul. Là. D'un coup d'un seul tout seul, c'était mignon. Mignon. Alors. Je vois la tour. Non, je ne te tuerai point. Mais je cours aussi vite que toi. Ouais. Ouais, bah ça, ça va attendre, j'ai plus de flèches. Hop. Alors. Est-ce qu'il y a moyen que je me réceptionne quelque part de l'autre côté? Là-bas. Ouais, là, il y a moyen. Allez, go! Alors, ça plane pour moi. C'était le petit jeu de mots de la journée. Moi, j'en suis ultra fier. Les gars, s'il vous plaît, rigolez, applaudissez. Tout est magnifique. Je meuble. Ah oh ouais, mais non, là par contre, tu te fous de moi là. Là, il y a un moment, si tu fais pas d'effort, Link, on va pas s'en sortir. Hein. Bon, je vais pas faire le tour, je vais
monter de caillou en caillou. J'aime pas l'escalade, mais... C'est ces trucs-là qui ont bougé, ouais, c'est ça. Ah bah raison de plus, si ça m'esquive des ennemis, j'escalade. Vu qu'au final, les ennemis ne donnent pas d'XP... Voilà quoi, autant les esquiver un peu quand on peut. Vu que je suis quand même plein niveau arme. Bon, ils donnent des ressources, hein, c'est pas ça, mais... Ah d'accord. Alors attends, tour de Tabanta. Au moins que j'escalade celle-là. Alors là par contre... Oh putain, mais j'ai plus de flèches. Ça fait tout disparaître? Non, ça fait disparaître que... Une partie, mais intéressante. Pas grave. Ok, nickel. Allez, c'est parti les gars, on escalade. Ouh, j'avais pas vu le petit trou là. Ah, ça va, je ne risque rien au final. Alors une fois que t'as vu ça, par contre, cette tour-ci, elle est rapide à escalader. Hein. Hop, hop, hop. Ouais, y'a moyen. On va tenter, de toute façon, je tombe pas de l'eau. C'est chaud, mais ça passe. Ok. Bon, ben on prend la tour, les gars. Tablette Shaker reconnue, activation. Tout enneigé là-bas. Au final, il ne me reste plus beaucoup de tours à activer. 2-3. Ouais, je pense. Alors, acquisition des données locales. J'accepte. Ça arrive, les gars. Ne vous impatientez pas. Alors. Ok. Ah, la zone enneigée, c'est pas du tout par là où je regardais en fait, rien à voir. La carte de la zone a été enregistrée. Nickel. Alors attendez, ouais c'est ça en fait, il me manque cette zone-ci. Et il me reste 4 en fait, ouais, 4 à prendre. Bon, et là techniquement, bon. Je pourrais y aller à cheval, hein. Ça irait quand même beaucoup plus vite si je suivais le chemin avec le cheval. Y a pas à tergiverser du canaillou. Maintenant, remarque, je suis quand même à la moitié du chemin. Si je peux me balancer là-bas... Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de me balancer. Attends, c'est ce gros rocher-là que je dois escalader? Tu te fous de moi? Mais c'est énorme! Bah, je passerai jamais alors. Ah non, 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 c'est pas ça les gars, c'est pas ça. J'étais un peu plein mort, voilà, c'est par là. Je me disais bien, ça c'est beaucoup trop, c'est impossible. Ok, donc du coup, faut que je parte vers là-bas. Alors, on se redirigera en route s'il le faut. Là, il y a un sanctuaire, je t'ai vu. Je t'ai vu, mais t'as l'air bien chiant à prendre. Ok, les gars, on se dirige vers le village, hein. Sanctuaire là-bas dans le fond. Il y a deux sanctuaires faciles d'accès. Enfin, faciles. Visibles, quoi. Alors. Pour accéder là-bas. Ouais, il faut que je passe par là. J'ai pas trop le choix. Faudra que je passe par les ponts. Allez, c'est parti. Ok, donc ça a été paravoile sur paravoile, hein, cet épisode-ci. Calme-toi, vous n'allez pas m'attaquer, je le sais.
Vous êtes gentil au fond de vous. Ouais, quoique, j'ai la musique de combat quand même. Alors, vous vous calmez. Ok, par là. C'est parti. On se dirige vers les ponts. Ok. Oh! Ça me vise! Il me canarde! Les lâches. Ok, ben on y est les gars. Relais des piafs. Et là on n'a plus qu'à avancer. On arrive chez les piafs. Oh bah il est là-bas au-dessus. Ouais il est là-bas au-dessus. Ok. On arrive dans le village les gars. On prend tous les ponts et on y est. Donc on passe de petit... C'est stylé par contre. J'aime bien le fait de passer de pont en pont. Pour passer de je veux dire de petite île entre guillemets. Ça c'est chouette. J'aime bien le principe. Et là, on arrive chez les piafs. Non, mais toi, je t'ai vu, c'est bon. Ok, donc c'était un bel avion. Bon, bah on voit déjà un peu à quoi ressemble le boss de cette zone. Voilà les gars, on est arrivé au village des piafs. Voilà, par contre, il y a encore du ralentissement. Hein. Ah là, là les gars, ça se ressent. Hein. C'est 30 FPS constant, mais pas partout. Hein. Ok, bon ben les gars, je pense que c'est sur ce beau panorama qu'on va s'arrêter là. Voilà, comme ça c'est bien beau. Voilà, donc je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Bah j'espère que ça vous a plu, hein. C'est un épisode assez contemplatif. Ah, la musique est super stylée. Moi j'aime vraiment bien. Donc c'était un épisode beaucoup contemplation, hein, puisque là on explore un peu les zones pour arriver... De village en village, là on est arrivé au village des piafs, donc là l'histoire entre guillemets va recommencer, on va repartir sur des petites intrigues pour monter dans cette machine antique. Et voilà, donc sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite la bonne journée, la bonne nuit, la bonne soirée suivant quand vous regardez cet épisode. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 27 de Zelda. Ciao tout le monde!